Il y a en France, en ce moment, plusieurs grandes familles de théâtre. Et il y a un metteur en scène avec qui beaucoup de jeunes comédiens rêvent de travailler. Ce metteur en scène s'appelle Joël Pommerat. Et la personne que j'ai en face de moi a travaillé sur le dernier projet de Joël Pommerat. Nous allons en parler ensemble. Il va nous raconter tout son parcours. Et c'est Anthony Moreau. Bonjour Anthony. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. Alors, on va terminer par Joël Pommerat, mais on va partir du début. D'où viens-tu ? La base, c'est Laval. Je suis originaire de Laval. Et ensuite, je suis venu à Nantes à la fac, après un bac théâtre. Et t'as débarqué à Nantes au conservatoire. Au conservatoire et à l'université. Parce que c'était en parallèle. Je faisais un cursus universitaire lié au théâtre. Et donc j'ai fait le conservatoire. J'ai fait aussi l'atelier de création universitaire qui naissait à l'époque. Il s'appelait comme ça à l'époque, avec Pascal Arbeil. Et c'était en parallèle. Donc je faisais deux choses assez importantes. C'était aussi important que le conservatoire. Mais tout tournait autour du théâtre, en gros, quand même. Tout tournait autour du théâtre, ouais. Ce goût du théâtre te vient de loin, Sans doute, oui, ça vient de loin. C'est une petite approche au collège, enfin, une approche, un spectacle fait avec des profs. Ouais. Et puis un prof qui m'a dit « c'est par là qu'il faut aller ». C'est ta voix. Et du coup, j'y suis allé. Et je crois que parce qu'il a décelé que j'avais envie, que j'avais besoin de faire ça. Et en effet, au lycée, ça s'est concrétisé. J'ai senti que c'était mon moyen d'expression. Tu te sentais bien ? Je me sentais bien et je sentais que c'était là que je pouvais m'exprimer. D'accord. Et justement, d'ailleurs, on va parler de l'expression parce que tu travailles sur des écritures et tout, etc. Tu vas très loin dans l'expression du texte, par le texte en tout cas. Donc, le conservatoire, ça se passe bien. Ça se passe bien. Des petits castings. Pas de castings, des auditions, on va dire. Parce que le cinéma, c'était pas ça pour l'instant. Ouais, mais peut-être plus tard. Et puis, tu as fait tout un parcours dans plein de projets avec à la fois des stages d'un côté et puis des créations de l'autre. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu les grandes étapes ? Mais les grandes étapes, c'est... Bon, j'ai travaillé avec beaucoup de compagnies à Nantes. Ouais. Enfin, beaucoup de compagnies. Une compagnie, principalement, qui l'a fidélité, je suis resté 9 ans avec eux, et puis aussi la Tribouille, et puis des petites choses dans la région, à Laval, à Angers, et ça c'était un gros partenariat quand même avec la fidélité, parce que c'est l'esprit compagnie qui était très très important, et j'ai appris plein de choses. Super compagnie la fidélité. Ouais, et c'était vraiment, c'était très... très formateur, plus que formateur, c'était des spectacles, mais je me rappelle, on a travaillé la langue que j'avais. Moi, j'avais travaillé beaucoup plus le physique avant. D'accord. J'ai découvert le chant, j'avais découvert la danse aussi, j'ai travaillé avec la compagnie Galindo aussi. Le texte, quand tu dis la langue avec la fidélité, j'ai travaillé les textes contemporains principalement. D'accord. Et puis on les a bien hachés, on les a bien travaillés d'une manière pour moi qui était toute nouvelle. Je dirais bien révolutionnaire, mais... Peut-être, oui, peut-être. Et t'as aussi découvert l'esprit troupe. Oui, c'est ça. Très important. Mais non, à la fois, à l'atelier de création universitaire, c'était hyper important. C'était D'accord. déjà un groupe. Un collectif. Et puis aussi le conservatoire, évidemment, parce qu'on ouais. a toute une bande. Ça a toujours été mon cheval de bataille, c'est d'être toujours avec des groupes. D'accord. Et après, j'ai commencé à faire des petites choses un peu à part, à trois, mais sinon, c'était vraiment le groupe. Ce qui est intéressant dans le théâtre, c'est ça, c'est la force du collectif qui porte le... Ah oui, je trouve. D'accord. Et puis c'est le partage. C'est le partage de l'expérience, c'est le partage du savoir, c'est le partage avec plusieurs interprètes. Ouais. Et ça permettait aussi de travailler de manière diverse avec plein de gens. Et c'est pareil, j'ai toujours travaillé avec plusieurs compagnies en même temps. D'accord. Ce qui m'enfermait pas dans quelque chose. Enfin, je voulais pas m'enfermer dans quelque chose. Ouais, jamais. Jamais, non. Enfin, jamais. Maintenant, peut-être que je vais le faire, parce que je suis plus vieux, j'ai plus d'expérience. Mais non, non. C'était très important. Et alors, de fil en aiguille, donc, à un moment, tu apprends qu'il y a un travail pour de création sur le prochain Pommerat. Je saute tout de suite là. Sauf s'il y a d'autres choses très importantes. Non, en parcours, voilà. Je travaille aussi avec d'autres gens. Voilà, Et donc, tu apprends qu'il y a un travail de recherche avec Joël Pommerat. À Nanterre, aux Amandiers. C'est ça. C'est ça. Alors, comment est-ce que, déjà, tu
tu t'intéressais déjà à son travail à Pomerol. Ouais. Oui, ce genre de... Ah bah oui, j'étais un spectateur de Pomerol. J'avais suivi plusieurs spectacles, j'avais pas tout vu évidemment, puis même j'ai dû en louper un des derniers avant que j'y aille. Ouais. Mais oui, j'étais très interpellé par ce travail. Même, c'était quelqu'un d'important. Donc, ce travail s'est axé autour de la Révolution française. C'est ça. Et alors, ça a été, du coup, ça fait depuis maintenant plus de 5 ans que tu es sur ce travail-là. Est-ce que tu peux nous raconter tout le cheminement qui est passionnant et qui recoupe justement tout ce que tu disais du travail en commun, aussi avec les autres comédiens, mais avec les techniciens, avec tout l'ensemble de la troupe ? Je t'écoute. Eh bien... Bon programme. ça remonte à un petit moment, mine de rien. Mais bon, le stage a été très formateur. C'était une grande rencontre avec plein de comédiens extrêmement divers. Tu me racontais que c'est comme ça qu'il travaille, en fait. C'est-à-dire qu'il réunit des gens, Il réunit des gens, et puis il travaille tout de suite sur le spectacle qu'il veut faire. Enfin, l'idée des bribes, il a déjà des choses en tête, et il en découvre d'autres avec nous. Et on travaille tout de suite sur l'idée du spectacle, enfin du sujet. Et c'est une rencontre avec des comédiens, un partage. Et puis à la suite de ça, il m'a pris avec d'autres. Et on a fait... on était parti sur la création sur un an, plus de 6 mois de répétition, haché dans l'année. D'accord. C'était haché dans l'année. Mais tu me racontais que au tout début, justement, pour vous nourrir, vous avez eu toute une journée consacrée à l'histoire elle-même, à la Révolution. Quand j'ai été pris pour faire ce stage, il y avait un peu le titre, quoi, la Révolution française. Bon, ok, tout le monde connaît quelque chose, et puis qu'est-ce que ça va être et tout. Et puis le jour où on est arrivé, on a passé une journée entière avec un historien, Guillaume Mazot, qui nous a fait un topo exhaustif, mais très intéressant, très, très complet, et puis avec déjà quelques directions. Et on s'est pris ça le premier jour, on avait une tête, plein de choses. Et puis après, c'était parti avec Joël et puis une dramaturge et ses assistants pour travailler sur des moments de la Révolution, la période qu'ils voulaient développer, des idées d'improvisation, de moments historiques, certains discours, enfin beaucoup de discours, beaucoup, beaucoup de discours. Alors, ils cherchaient quoi, en fait, en vous et dans cette méthode de travail-là, lui apporte quoi ? Bah, cette méthode de travail, c'est que... on improvise énormément. Ouais. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se... On se plonge dans une matière... là, il y avait beaucoup de supports historiques, il y avait des discours et tout ça. Mais on se plonge donc aussi dans les idéologies de l'époque, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire du plus radical au plus conservateur. Et puis c'est l'émotion, en fait, qui naît dans des improvisations, des fois qui duraient 1h30, 2h, à beaucoup. Ou alors c'était aussi des one-shots où on avait quelque chose à faire sur un discours et ça durait de 10 secondes à 15-20 minutes. Et Joël, je pense qu'il quand on vit la chose et qu'il se passe quelque chose d'intéressant, c'est là que ça apporte tout son sens justement à l'histoire et comment il voulait parler de cette révolution, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste des discours déjà écrits à l'époque, c'est que nous, comment on les revivait, qu'est-ce que ça nous faisait. Et c'est ça qui est un peu, je trouve, dans ces spectacles, c'est ce qu'on ressent beaucoup, c'est ce que a apporté et ce que ressent le comédien avec une histoire qu'on a inventée avec Joël et que Joël a écrite. C'est que dans le prisme de votre regard d'aujourd'hui, comment vous vivez les événements de l'époque, c'est ça ? Pas le regard d'aujourd'hui, c'est ce qu'on est. D'accord. Ce qu'on est, nos idéologies. D'accord. Ou ce qu'on ressent, si on ressent justement de la révolte, à quel endroit elle est cette révolte, et puis par exemple si on fait un noble comme moi j'ai pu faire, quelle est la révolte justement face à des radicaux, parce que par rapport à une idéologie extrêmement précise et présente de l'époque, parce que le plus spectacle c'est un peu d'avoir toutes les idéologies de l'époque, c'était ça qui était très important, que ce soit pas que les révolutionnaires, eux ces héros et tout ça, c'est de voir ce que tout le monde pouvait penser un peu. D'accord. Et de là à créer justement comment s'est fait cette histoire, comment s'est fait la révolution. Il guettait vos réactions d'hommes ou de femmes. C'est pas guettait, c'est qu'on les vivait, on vivait quelque chose par rapport à cette matière, et c'est un peu ce qui, je trouve, moi,
après, quand on fait le travail d'écriture de Joël, on ressent, quand on relit, on ressent ce qu'on a vécu dans une improvisation, et ce qui est extrêmement fort. Et ouais. On se dit, waouh, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes mots, mais c'est comme la substance qu'on a pu dégager, la justesse qu'on a pu dégager qui arrive dans le texte. Donc là, ça fait un peu plus de 5 ans hein, que tu vis cette expérience-là, Ça ira, ouais. Qui est une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. Non, ça s'appelle Ça ira 1, fin de Louis. Ouais. Donc, il y aura peut-être un Ça ira 2. D'accord, on ne sait pas encore. Mais parallèlement à ça, toi, tu écris. Et tu as des projets à toi aussi. Oui. Ah, est-ce que tu peux nous en glisser quelques mots qui se nourrissent de tout ça, qui se nourrissent de... Qui se nourrissent, non, d'autres sujets, qui se nourrissent de... Bah, l'écriture, ça parle... Voilà, je parle aussi de moi, comme dans chaque spectacle, on parle un petit peu de soi, enfin, d'une certaine manière, quand on a une porte pour ça, et l'écriture me permet ça en ce moment. Voilà, donc je m'attaque à l'écriture d'une forme, qui sera soit théâtrale, soit autre, ça dépendra comment je vais la dérouler, quoi. Mais c'est pas la première fois que tu te livres toi-même à cet exercice-là? Non, après, beaucoup sous forme d'improvisation que j'ai pu capter, ouais. Où j'ai fait un peu un synopsis et j'ai pu faire des sortes de performances, ouais. Et j'avais fait notamment dans un festival à Nantes. Qui s'appelle Bermuda. C'est ça. Ouais. Et le cinéma fait partie des possibles oui. De tes intérêts de... Oui, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui... J'avais tourné dans le film de Paulo Tchaikovsky Laurence, éditeur. Et puis il y a une série aussi. J'ai pu tourner avec Paul Tchaikovsky Laurence parce qu'il a eu cette série qui s'appelle La Valsariam, ouais. La Valsarial d'Olivier Guidoux, ouais. Qui est un Nantais d'ailleurs et qui était passionnante à faire et qu'on peut voir actuellement. Qu'on peut voir sur Internet. Ouais, c'est ça. Ouais. T'apprends lavalsarial.com ou quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est une sorte de labyrinthe et les épisodes c'est pareil, c'est en labyrinthe. Et c'est l'épisode 1, épisode 20, épisode 34. 67, on croit que ça suit, mais ça suit pas. Et on peut faire soi-même son propre déroulement de ce labyrinthe. Ouais, ouais. De ce personnage qui s'appelle... Bravo pour ce... Enfin, franchement, pour ce parcours où tu côtoies vraiment le théâtre. Le théâtre, pour toi, en un mot, aujourd'hui, enfin, c'est quoi? Enfin, c'est un rêve devenu réalité? C'est pas un rêve devenu la réalité. C'est quelque chose qui est arrivé et dans lequel je me réalise. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi. Merci à l'équipe des studios Galerie.